All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Nous continuons avec notre session des déclarations des clôtures. Je vois, Maître Kaufmann, que vous êtes tout à fait prêt. Est-ce que vous voulez commencer, s'il vous plaît? Vous avez la parole. Madame le Président, en fait, nous allons diviser la présentation de la défense en quatre. Il y aura deux présentations courtes par Maître Clavé, Gdry et Claver, et par la suite, je prendrai la parole, et ensuite, ce sera Monsieur Blégoudé. Tout d'abord, je vais demander à Monsieur Engel de prendre la parole, et j'avais mis un peu de Valium dans son thé ce matin, donc il va parler un peu plus vite. Pardon, je me reprends un peu plus lentement. Je souhaiterais faire deux précisions par rapport au propos de Monsieur MacDonald. Ce que M. MacDonald nous a dit aujourd'hui sur M. Blégoudé, c'est certainement ce que le procureur à Alabama a dit par rapport à Martin Luther King en 1962. Nous sommes tous d'accord que c'est les médias qui ont créé le libel leader et qui ont créé Galaxy Patriotique. Et c'est pour cela que M. MacDonald se permet de nous montrer les clips qui démontrent cela. Justement, si nous allons 10 secondes avant le clip que M. MacDonald nous a montré, le 26 mars, nous verrons bien que M. Blégoudé se prononce au nom de l'Alliance. Ça, c'est juste 10 secondes, 30 secondes avant que M. MacDonald commence le clip. Ensuite, M. MacDonald prétend que c'est des amis, que M. Blégoudé appelle les autres leaders ses amis. Cela n'est pas forcément faux, parce que, comme nous avons déjà dit, M. Blégoudé avait une politique de porte ouverte. Et juste comme Martin Luther King, il croyait que tous les bords politiques devaient écouter les discours de la paix et de la non-violence. Deuxièmement, je souhaiterais parler de la composition de la galaxie patriotique. Très rapidement, M. MacDonald a rajouté que M. Blégoudé est nommé comme la machette. Monsieur Blégoudé lui-même va prononcer sur cela, mais nous proposons que cette nom qui était donné par les partisans de l'opposition démontre encore plus le fait que Monsieur Blégoudé n'était plus associé avec le FECHI à partir de la fin de son mandat en tant que secrétaire général en 2000. Monsieur MacDonald ne démontre aucun élément qui sont contraires aux propos de la défense qui indique que le Conor Assi était entièrement indépendant de l'Alliance. Et ensuite, nous voudrions dire que M. MacDonald il maltourne nos propos quand il dit qu'il y avait deux groupes seulement. Comme nous avons très clairement dit, il y avait plusieurs groupes, notamment ceux qui sont non alignés, y compris l'Union de la Libération Totale de Côte d'Ivoire. Y compris le mouvement de M. Ouattara, Idriss Ouattara, qui était aussi non aligné. Lui-même dit qu'il n'est qu'un ami de Blégoudé et non parti de l'Alliance, comme prétend M. MacDonald. Enfin, M. MacDonald nous a indiqué, peu importe qu'il y a eu des distinctions au sein de la galaxie patriotique. Oui, nous n'en doutons que Monsieur MacDonald voudrait bien ignorer les distinctions au sein de la galaxie patriotique. Mais les faits sont là, et les faits et les actions qui ont été accomplies par les acteurs non sous le contrôle de M. Blégoudé ne peuvent pas être imputées à M. Blégoudé. Merci beaucoup. Maître Ndri. Maître Ndri. Merci, Maître Kaufmann. Mesdames les juges, juste apporter
quelques rectifications. Alors, Madame les juges, j'avais donné plusieurs interviews à l'époque en Côte d'Ivoire. En ce moment, M. Charles Blegoudé n'était pas encore transféré ici. Et lors de mes interviews, j'avais toujours souhaité que cette affaire soit jugée en Côte d'Ivoire, si jugement il devait y avoir. En fait, pourquoi est-ce que j'avais émis ce souhait? J'avais émis ce souhait tout simplement pas parce que je doutais de la compétence des juges de la Cour. Les juges de la Cour sont d'une compétence parce que c'est par sélection que vous êtes là. Ce n'est pas cela, ce n'est pas par rapport à un doute quelconque. Mais c'était parce que, connaissant le contexte de la crise dans mon pays, il y a certains développements de faits qui se font ici. Je pense qu'un juge ivoirien aurait été à l'aise parce que, ayant vécu en Côte d'Ivoire et connaissant les faits, on allait difficilement les falsifier comme a beaucoup tenté de le faire ici l'accusation. C'est pourquoi que j'avais émis ce souhait. Et cela se confirme parce que tout à l'heure, lorsque l'accusation parlait du fameux témoin P44, moi, en tant qu'Ivoirien, j'avais mal. J'avais très mal. Parce que si c'était un juge ivoirien, par exemple, qui avait ce dossier, qui connaissait le nom de ce témoin P44, il allait sourire au dedans de lui-même et ne même pas accorder de crédit à ce témoin lorsqu'il déclare qu'il fréquentait, par exemple, la présidence. On se connaît tous en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce fameux témoin dit qu'il a été arrêté. Un instant, on est en audience. Non, monsieur Magdoula, je pense que vous avez assez fait de cinéma. Et ne m'interrompez pas lorsque je prends la parole, ne serait-ce que par souci de politesse. Excusez-moi. Oui, je vous prie de s'adresser à moi avant d'interrompre la parole. Mais en tout cas, bien sûr, nous faisons attention à ne pas dire des choses qu'ils ne puissent pas dire en public. Mais... Je ne donne pas le nom de la personne. Je n'ai pas donné le nom du témoin. Je n'ai pas donné le nom du témoin. Merci. Voilà. Madame la Il ne veut pas m'apprendre à faire mon travail. Je ne donne pas le nom du témoin. Entendre... Mais madame, s'il vous plaît, qui a la parole? C'est moi ou monsieur McDonald? Les liens que l'on allait faire en public peuvent mener à l'identification du témoin. C'est la raison pour laquelle je m'excuse d'interrompre mon collègue, mais je le fais pour éviter qu'on soit obligé de demander une expurgation de la vidéo, et compte tenu que la galerie est pleine. C'est ça aussi. En audience publique, on ne peut pas non plus révéler d'informations ici, parce qu'une fois qu'elle est là, dans la galerie, cette info, on ne peut pas l'expurger. Je vous remercie. Excusez-moi, vous nous dites s'il faut passer en session privée ou à un moment donné, s'il vous plaît. Merci, Madame le Président. Je n'entendais pas en tout cas révéler le nom de ce témoin. J'en ai pleine conscience. Nous avons le témoin Détroit, par exemple. Qui a ses déclarations qui confirment que le témoin P44, permettez-moi l'expression, mais il n'y a pas autre chose à dire, n'est qu'un menteur. Car tout ce qu'il a dit révèle effectivement que tout est mensonge. Nous allons mieux développer ces points dans nos soumissions que nous allons vous adresser après cette audience. Monsieur McDonald, tout à l'heure, lorsqu'il a pris la parole,
m'a confirmé purement et simplement que le document de l'accusation, si volumineux qu'il soit, si vous enlevez tout ce qui est reprise des organes de presse, il ne restera rien d'autre. Rien d'autre. Parce que lorsqu'il révèle ici devant la cour que M. Blé Goudé est connu comme Blé la Machette, il traduit ici qu'il allait prendre les coupures de presse et comme je l'ai dit, qui ne sont pas favorables à M. Blé Goudé. Parce que ceux qu'il appelle Blé la Machette ne sont rien d'autre que ses adversaires politiques. Donc vous venez confirmer purement et simplement que votre document d'accusation n'est qu'un ramassis en fait des organes de presse hostiles à M. Charles Blé Goudé. Madame le Président, Mesdames les juges, je voudrais dire que ce que je dis est tellement vrai que même pour l'identité de M. Charles Blé Goudé, l'identité, deux suspects qui se trouvent à la cour depuis le 22-23 mars 2014, son identité, l'accusation s'est trompée sur son identité. Pourquoi? Parce que on allait prendre pour l'identité de M. Charles Blé Goudé un livre et un magazine. C'est grave. Nous sommes quand même devant une cour internationale chargée de juger des crimes les plus graves. L'identité du suspect. On va prendre cela dans un livre. Ils se sont trompés. Ils disent que M. Charles Blé Goudé a un enfant. Je voudrais leur demander de pousser mieux leur recherche parce qu'il a plus d'un enfant. Je voudrais finir sur un point. Lorsque je parlais en fait en connaissant mieux la Côte d'Ivoire, on aurait mieux compris beaucoup de choses. Le commando invisible. Hier ou avant-hier, l'accusation a présenté en fait des images avec des hommes en armes, des personnes qui étaient habillées en civil. Si nous étions en Côte d'Ivoire, le juge ivoirien aurait compris tout de suite pourquoi est-ce que ces personnes sont en civil. Ce ne sont pas une milice, c'est la police de Côte d'Ivoire. Ce sont les forces armées. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient habillés en civil? Et c'est là que je reprends une parole de l'accusation qui reconnaît qu'à partir d'un certain moment, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire s'était fortement détériorée. Vous avez un commando invisible qui allait avec une voiture banalisée, des voitures banalisées, et il tirait sur des corps habillés. C'est comme ça que par mesure de sécurité, les hommes en uniforme ne revêtaient plus leur uniforme, mais portaient des t-shirts avec souvent des petits macarons là-dessus pour qu'on puisse les identifier. Je voudrais finir tout simplement par dire que lorsque j'avais dit tout à l'heure que la représentante des victimes, je me posais la question de savoir quelle victime elle représentait, c'est parce qu'on m'a dit simplement, c'est-à-dire je n'ai pas retrouvé toutes les victimes de mon pays dans cette cour. C'est pour cela que j'ai posé la question. C'est tout. Mais je reconnais la bonne foi de Madame Massida. Je reconnais sa très bonne foi. Je pense qu'elle a été induite en erreur. Et je sais pourquoi elle a été induite en erreur. J'ai plaidé. Je vous remercie. Je vous prie d'attendre un petit instant parce que j'ai un problème technique.
Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Thank you, Madam President. Merci, Madame le Président. Nous voici. Imaginons que nous venons d'arriver à l'aéroport de Madame Bensouda et la destination finale est une conviction, une condamnation au-delà de tout doute raisonnable. C'est ça, une confirmation des charges. Et l'avion doit, qui vous emmène là-bas, c'est un processus, une procédure juridique. Tous les avions, bien sûr, ont des écrous, des boulons, des moteurs et des ailes. Et dans notre cas présent, ces pièces, ce sont les éléments de preuve. Mon client est venu de son plein gré dans l'avion de Madame Bensouda. Et alors qu'il est assis en classe économique, qu'il a les genoux qui sont sous le menton tellement il est serré, il voit qu'il y a dans la classe affaires un de ses amis d'université qui boit du champagne. Alors l'avion se décolle et on entend que tout d'un coup une annonce disant qu'il y a un incendie et que une aile est cassée, et c'est-à-dire que certains des éléments de preuve sont tombés. Le capitaine dit « Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des raisons raisonnables de croire que l'avion peut voler ». Alors dans ces circonstances, vous trouverez normal que M. Blégoudet crie et dise « Laissez-moi sortir de l'avion ». Est-ce que vous pensez qu'il a eu vraiment une chance réaliste d'arriver à la destination? Alors, j'aimerais citer quelque chose. Les charges contre M. Blégoudet ne doivent être confirmées, et je cite, que si les éléments de preuve ont une chance réaliste de d'étayer une condamnation au-delà de tout doute raisonnable. Je suis tout à fait au courant du fait que le critère pour la confirmation des charges est beaucoup plus bas que pour un procès. Et s'il est clair que les éléments de preuve sont pris à leur maximum, mais qu'il y a tout de même un doute substantiel, à ce moment-là, je crois qu'il ne faut pas confirmer les charges. Il s'agit de quelque chose qui a été dit par Madame le juge Van den Winger dans la décision de confirmation des charges contre Gbagbo. Elle faisait partie de la minorité qui pensait qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds, d'éléments de preuve pour confirmer les charges. La défense avance que, en l'espèce, l'accusation n'a pas montré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Blégoudet était au courant d'un plan commun pour attaquer les civils ou qu'il ait participé à un tel plan, même si celui-ci a existé. L'accusation n'a montré aucun lien, quel qu'il soit, d'après moi, entre M. Blégoudet et les personnes précises qui ont commis les incidents séparés dans le document qui sont dans le document de notification des charges. On a entendu parler du fait que M. Blégoudet était le leader incontesté de la galaxie patriotique. Mais comment l'accusation prouve-t-elle cela? Avec les images télévision que M. McDonald nous a montrées tout à l'heure, où c'était écrit dessus « Président de la galaxie publique, de la galaxie patriotique », est-ce que vous pensez vraiment que M. Blégoudet va dans les studios de la RTI pour parler au journal télévision? Bien sûr que non. Je l'ai dit dès le départ, la galaxie patriotique est une invention de la presse et rien d'autre. Le seul témoin qui est un tant soit peu proche d'impliquer M. Blégoudet en disant qu'il a distribué des armes ou qu'il a recruté des milices, on a vu qu'il n'était pas crédible, c'est le témoin 44, et si on prend les meilleurs éléments de son témoignage, ses dépositions, ça n'est que des oui-dire. Ne perdez pas de vue la raison pour laquelle un mandat d'arrêt a été
donnée contre M. Blegoudé. Je cite le paragraphe 13 de cette décision. C'est le premier document du dossier de notre affaire. Madame le Président était membre de la chambre préliminaire qui a donné cette décision. Voilà ce qui a été décidé. M. Blegoudé était présent à des réunions clés de l'entourage immédiat de M. Gbagbo, a conseillé M. Gbagbo et a conseillé M. Gbagbo dans des décisions concernant le plan commun. En outre, M. Blegoudé a joué un rôle clé dans le recrutement, l'enrôlement, l'armement, l'informement et l'intégration de milliers de volontaires au sein de la chaîne de commandement des FDS. Au cours des trois derniers jours, vous avez entendu les différents éléments de preuve. Que reste-t-il de tout ce qui a été dit? Les personnes qui étaient à l'intérieur de l'appareil militaire, c'est-à-dire les témoins de l'accusation, ont dit que pratiquement personne n'a été intégré dans la chaîne de commandement des FDS suite à l'enrôlement, suite à l'appel de M. Blegoudé du 19 mars 2011. Non pas des milliers, pratiquement personne. Même l'accusation le concède maintenant. Madame Varga a dit la chose suivante. Le 21 mars, des milieux de jeunes pro-Gbagbo vont à l'état-major pour s'enrôler dans l'armée. Alors, mais cela ne s'est pas vraiment matérialisé en fin de compte. Transcript 6, page 29, ligne 12 à 16. À 15. Je ne crois pas que Madame Varga qui est hors piste lorsqu'elle disait cela, mais il est très clair, c'est que depuis que Monsieur Blegoudé s'est rendu à la cour, l'accusation a totalement changé sa théorie. Où sont les éléments de preuve, mesdames les juges, pour vous convaincre que M. Blegoudé savait que le personnel des FDS donnait des armes aux jeunes, à des carrefours, à des blocages routiers? Quand est-ce qu'il a même revendiqué cette politique? Où ces juges, qui étaient ces jeunes qui recevaient des armes? Comment est-il lié à M. Blegoudé? Voilà ce qui concerne l'aspect du lien, de la contribution alléguée de M. Blegoudé au plan commun. En ce qui concerne les autres mobs de contribution, c'est-à-dire sa participation aux décisions politiques, c'est-à-dire la promotion du plan commun, il y a des problèmes similaires avec les éléments de preuve de l'accusation. L'accusation peut vous montrer quand M. Blegoudé était à la résidence présidentielle, mais il ne peut pas vous dire de quoi il a été discuté quand M. Blegoudé était présent. Il s'agissait simplement de réunions de cabinet. Ils n'ont pas pu vous dire quelles questions de fond étaient abordées et en quoi elles ont un lien avec les incidents contenus dans le document de notification des charges en dehors d'un incident notable qui est une exception, qui était le 16 décembre 2010. Monsieur Blegoudé était présent lorsque, d'après le registre, il a été dit pour la première fois que les FDS avaient ouvert le feu en réponse à des coups de feu tirés par les rebelles. Donc voilà, c'est ce qui est écrit dans la partie événement du jour du registre. Je pense que si l'attaque du 16 décembre 2011 avait été planifiée à l'avance, on voit que ce qui est écrit là ne corrobore pas une telle hypothèse, dans la mesure où il s'agissait d'événements extraordinaires. En fait, pour résumer, on n'a pas montré que M. Blegoudé ait fait une contribution importante ni même d'une façon essentielle ou pertinente à un plan quelconque ou à un dessein commun quelconque. De la même manière, il n'y a aucun élément de preuve pour dire que M. Blegoudé a instigé, sollicité ou encouragé des actes de violence à des barrages routiers, des barricades, quel que soit le nom que vous utilisiez pour en parler. Les discours où, soi-disant, il appelait à des actes de violence n'ont pas toujours existé dans leur version intégrale dans la liste des preuves de l'accusation. La plupart du temps, ils ne sont cités que partiellement. Et même lorsqu'ils sont cités partiellement, la défense a pu montrer, d'après les arguments que j'ai présentés, qu'il s'agissait d'appels à la résistance passive, et même si cela paraît extrêmement étrange, un appel à la prière. Le seul mot d'ordre, les soi-disant mots d'ordre,
n'ont soit pas été mis en œuvre ou alors ont été mal interprétés. Ils n'ont pas été mis en œuvre, comme cela a été admis par Madame Varga, et je la cite, en dehors des menaces contre le Golf Hotel, Monsieur Blegoudé n'a pas donné un mordre d'ordre d'agir de cette façon. Transcript 6, page 27. Le mot d'ordre a été mal interprété parce que le discours du le baron était un appel non pas de dénoncer des étrangers, c'est-à-dire des personnes qui viendraient du Nord ou de l'étranger, mais plutôt des personnes qui posaient un problème en termes de sécurité. Vu dans son contexte, ce discours n'est pas raciste ni xénophobe, mais plutôt un appel à ce que les gens soient vigilants, qu'ils signalent des rebelles tels que le commando invisible à la police. Maintenant, M. Blegoudé, comme la plupart des gens qui sont présents ici dans le prétoire, comprend très bien qu'il y a des choses qui se sont passées au barrage routier. Mais nous avons montré que ce n'est pas lui qui a été l'instigateur de ces barrages routiers et qu'il n'a pas jamais demandé que de la violence soit commise là-bas. Il regrette ce qui s'est passé au carrefour, au barrage routier. Mais souvenez-vous qu'en ce qui concerne le deuxième incident, il n'y a aucun élément de preuve de visu direct qui montre qu'il y a eu de la violence commise au barrage routier. Alors maintenant, je vais repasser au paragraphe qui parle de ce deuxième incident dans le DCC, paragraphe 159 et 160, ainsi que les notes de bas de page qui toujours citent des rapports des médias ou des ONG des droits de l'homme ou d'autres oui-dire. Si ces éléments de preuve étaient considérés vus comme étant non suffisants pour pouvoir étayer les éléments constitutifs d'une attaque, c'est tout à fait insuffisant également pour étayer une thèse selon laquelle la responsabilité de M. Blegoudé serait engagée concernant le deuxième incident au carrefour routier. Mesdames les juges, M. Blegoudé n'avait aucune intention délictueuse et dans la mesure où il y a toujours des incidents collatéraux, le fait de le dire dans une révolution telle que celle-ci, cela ne veut pas dire qu'il avait une intention délictueuse. C'est le cas et nous le savons tous très bien. Je vois que tout le monde est ici rassemblé pour me voir parler. Je sais que tout le monde n'est pas ici pour m'écouter parler et après 3 jours, en fait, moi-même, j'en ai assez de parler, donc je vais me tourner vers Monsieur Blegoudé. Je vous prie bien vouloir nous excuser par avance. Il va peut-être dépasser le temps qui lui a été imparti de quelques minutes. Nous vous prions par avance de nous en excuser dans la mesure où nous avons gagné un peu de temps et nous avons même perdu 20 minutes dans un de ces jours-là. Donc voici, je lui donne la parole. Merci beaucoup.